Il a œuvré dans les milieux ouvriers, mais il a fait en sorte que les gens ont eu envie de se prendre en main. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici à Saint-Jérôme pour qu'on ait un campus et qu'on puisse se développer selon notre vision, notre façon de faire. Jacques Grandmaison laisse à l'histoire moderne du Québec un précieux héritage et j'ose penser que l'UQO en fait partie assurément. Est-ce que vous connaissez les inushuk? Vous savez, les espèces de trucs en pierre, là? C'est un mot inuit, mais les Inuits du Labrador en font aussi, qui signifie l'image de l'esprit de l'homme. Dans l'inushuk, chaque pierre est une entité séparée, mais chacune d'elles se supporte. Toutes les pièces de l'inushuk sont importantes, de manière égale, et prennent appui les unes sur les autres dans un équilibre naturel. Symbole de solidarité des peuples nomades du Nord, les Inushuit, ça c'est au pluriel, étaient érigés comme sentinelles pour signifier « Je suis venu ici avant vous, vous êtes dans la bonne direction ». Un Inushuk sert à une multitude de fonctions. C'est le résultat d'un groupe d'individus qui ont le même but. Il reconnaît notre habileté à transmettre de génération en génération les connaissances de l'un à l'autre. C'est la possibilité de réussir là où seuls nous aurions failli. Il symbolise la fraternité, l'entraide mutuelle et la solidarité. Il importe de savoir d'où on parle. Puis là, je ne fais pas une erreur de français, là. D'où je parle, c'est de comprendre comment notre vécu façonne notre compréhension du monde, ainsi que nos opinions, nos perceptions et nos valeurs. La mémoire est donc importante afin de développer une vision d'avenir. Merci à Mémoire collective de nous aider à comprendre d'où l'on parle, et merci à Jacques Grandmaison d'avoir été l'inushuk de plusieurs personnes et de toute une génération. Bonne soirée. Alors, moi, je suis Henri Prévost, je suis le président de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme, et puis on a été interpellé par ce groupe de citoyens-là qui organisait cette soirée de commémoration de l'œuvre de Jacques Grandmaison, et ça nous a intéressé immédiatement. On n'a pas fait grand-chose, mais on s'y est associé, puis ça nous a fait plaisir, puis ça nous a fait d'autant plus plaisir que c'était intéressant de voir que c'est des citoyens qui ont organisé un événement comme ça, et on n'a pas attendu un gouvernement ou une institution ou une ville ou une université ou un collège pour faire ça. Et ça, c'est très encourageant pour une société d'histoire de voir que les gens prennent leur histoire en main. Et c'est dans la foulée un peu de ce que Jacques Grandmaison prônait un peu. C'est parti de la base, effectivement, ce projet-là. C'est pas parti d'en haut, c'est parti de la base, comme ce que Grandmaison essayait de propager comme idée. Alors, on était particulièrement heureux de ça. Je m'appelle Loyola Leroux. En 2008, Jacques Grandmaison a téléphoné chez moi pour demander à me rencontrer. C'est ce que j'ai fait régulièrement de 2008 à 2016. Il m'a demandé de résumer les idées qui se retrouvent dans ses livres parce que plusieurs personnes lui disaient qu'elles avaient de la difficulté à comprendre ses idées. J'ai enseigné au cégep de Saint-Jérôme pendant 36 ans la philosophie et mon rôle était de présenter aux étudiants les idées de Platon, d'Aristote, de Descartes, de Kant, etc.
Donc, je devais, à chaque cours, faire lire un texte d'environ une page à mes étudiants, de manière à ce qu'ils le comprennent pour qu'ils réussissent à l'examen. Quand j'ai commencé avec les livres de Jacques Grandmaison, au début, j'ai eu un énorme problème. C'est que moi aussi, je ne comprenais rien. Et là, j'ai continué à lire, parce que moi, je suis habitué, comme professeur de philosophie, à lire 50 pages d'un auteur, j'arrête, je résume. Alors, avec les livres de Jacques Grandmaison, ça m'a pris un bout de temps à comprendre que chaque écrivain possède un style. Et le style, c'est personnel. Le style de Jacques Grandmaison, c'est ce qu'il a fait pendant toute sa vie, c'est donner un sermon, prêcher un sermon à tous les dimanches, toute l'année, entre autres à l'église du lac Conné à Saint-Hippolyte. Pendant presque 60 ans, à chaque dimanche, il devait écrire un sermon de manière à intéresser les gens qui sont dans la salle. Alors, quand on comprend ce que c'est qu'un sermon, un sermon a trois parties. La première partie, c'est que celui qui donne le sermon annonce un problème. La deuxième partie, il nous donne des exemples concrets de gens qu'il a rencontrés, qui lui ont parlé du problème. Et la troisième partie, ça consiste à faire en sorte de dire qu'est-ce que le Christ, qu'est-ce que les écrits des évangiles nous disent, nous suggèrent comme solution. Ça, c'est un sermon. Lorsqu'on lit Jacques Grandmaison, les livres sont composés de la même manière. Donc, il aborde un problème, et là, on a 15-20 pages d'histoire d'une madame qu'il a rencontrée dans un CHSLD, de sa mère qui elle appelait quelque chose, d'un monsieur dans sa jeunesse. Et là, on vient comme tout mélanger avec les histoires, parce qu'en lisant toutes les histoires, on ne comprend pas où il s'en va. Finalement, mon but, c'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est de résumer les grandes idées de chaque Grandmaison. Il y en a environ 11 grandes idées. Et ces grandes idées-là, on les retrouve partout dans ses œuvres. Bon, la première grande idée nous vient de sa famille. Jacques Grandmaison m'a raconté qu'il est né en 1931 et que son père, en 1934, marchait de Saint-Jérôme jusqu'à Saint-Canute l'hiver à Noirceur pour aller travailler. Et il revenait le soir à la Noirceur. Son père était souvent sur le chômage. La famille était très pauvre. Alors, Jacques Grandmaison a beaucoup été marqué par la pauvreté de sa famille, de Saint-Jérôme et de tous les gens qui vivaient pendant la crise de 1929. Jacques Grandmaison, dans le fond, a gardé ce besoin d'aider les pauvres et les démunis pendant toute sa vie. Trois théologiens ont écrit que Jacques Grandmaison était un prophète. Le personnage du prophète, c'est un personnage qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était énormément présent dans l'Antiquité. Le prophète, c'est quelqu'un qui regarde la société, qui regarde les problèmes et qui fait des suggestions. C'est souvent un visionnaire. Alors, ça occasionne un autre problème dans les écrits de Jacques Grandmaison ou dans ses sermons, c'est que souvent, il va citer un philosophe, une phrase de Nietzsche, une phrase de Comte Sponville, une phrase de Luc Ferry. Mais nous ne sommes pas dans un cours universitaire, nous ne sommes pas dans un livre, il n'y a pas de référence en bas de page. Alors, il continue comme ça. Alors, ça, c'est les références qu'il fait comme ça. Souvent, on a un peu de misère à les comprendre. Pour lui, un de ses thèmes fondamentaux, c'est l'histoire. C'est la durée. Et souvent, il utilise, je suis en train d'écrire là, à côté, à force de le lire, faire un document avec ses grandes phrases. Une des questions qu'il pose à un moment donné, c'est « Est-ce que tous nos ancêtres étaient des imbéciles? » Est-ce que tous nos ancêtres qui ont vécu avant nous autres pendant 400 ans étaient des imbéciles? Bon. Alors, à l'heure actuelle, les idées de Jacques Grandmaison concernant l'importance de l'histoire se situent mal dans notre contexte.
Récemment, je lisais dans la revue d'Economist un gros article qui disait qu'en Angleterre, on considère que les cours d'histoire ne s'enseignent plus dans les universités. On n'enseigne plus l'histoire des grands événements. On n'enseigne plus l'histoire des grands personnages, des grands conflits. Et il y a deux semaines, dans le journal Le Devoir, les profs d'histoire de l'UQAM se plaignaient du fait qu'en 1990, il y avait 1200 étudiants en histoire à l'UQAM et que maintenant, il y en a 600. Donc, on ne vit pas dans une époque qui valorise la connaissance historique, l'importance des valeurs historiques. Et Jacques Grandmaison est là-dedans par sa tête. Bon, alors ça, c'est un des thèmes. Jacques Grandmaison aussi, imaginez-vous en chair un dimanche, il dit « Les snowbirds sont égoïstes ». Il y a devant lui beaucoup de gens âgés qui passent l'hiver en Floride. Les snowbirds refusent de transmettre à leurs enfants des valeurs intergénérationnelles qu'autrefois les grands-parents transmettaient aux enfants. Alors, j'imagine que dans la salle, ceux qui se préparent pour partir en Floride n'étaient peut-être pas trop contents. Alors, pour lui, la transmission de nos valeurs ne se fait plus. Donc, Jacques Grandmaison va critiquer beaucoup aussi, comme dans un livre comme « De quel droit? », il va critiquer beaucoup les chartes québécoises, et la charte québécoise et la charte canadienne. La charte québécoise, c'est un sujet un peu moins connu, mais l'ancêtre de la charte à Trudeau en 1982, qui est tant décriée au Québec, c'est la charte de René Lévesque de 1977. Et ça, à peu près personne n'en parle nulle part. Jacques Grandmaison trouve que c'est absurde dans une société que de placer les droits par-dessus tout. Il est contre une hiérarchisation des droits. Pour lui, tous les droits sont égaux et vivre en démocratie, c'est de faire en sorte qu'on discute de ces droits-là. Il va critiquer aussi l'école. Bon, à l'heure actuelle, quand on regarde l'école telle que ce qui se passe dans les écoles à l'heure actuelle, on nous dit qu'on va avoir des cours de sexualité. Et récemment, dans Le Devoir, je disais que des enseignants invitent les enfants de 5-6 ans à réfléchir sur leur genre. Est-ce qu'ils sont des petits gars qui sont des vrais petits gars, des petites filles qui sont des vraies petites filles? Alors, Jacques Grandmaison considère que l'école a failli à son rôle de base, qui est tout simplement de montrer aux enfants à lire, écrire et calculer. Alors, il fait une critique assez générale de l'école. Il va aussi critiquer ce qu'on appelle le corporatisme des syndicats, en ce sens que, comme il est toujours du côté des pauvres et des démunis, des travailleurs à contrat, il va reprocher aux syndicats de ne pas assez s'occuper de ces gens-là. Il va dire aux syndicats qu'ils devraient s'en occuper plus. C'est un autre thème qui revient souvent. Il va critiquer énormément la hiérarchie catholique, à tel point qu'il va présenter un mémoire sur l'aide médicale à mourir. Il est pour l'aide médicale à mourir, alors que la hiérarchie catholique est contre. Il est pour l'égalité homme-femme, alors que la hiérarchie catholique est contre. Il est pour permettre aux femmes de devenir prêtres. Alors, pour moi, Jacques Grandmaison, c'est un homme qui a deux grandes valeurs dans sa vie, à la fois la religion, qui a guidé sa vie, et à la fois l'amour de son peuple. Pour l'amour de son peuple, les deux preuves qu'on a, c'est qu'à plusieurs occasions, on lui a offert de devenir évêque. Et Jacques Grandmaison a toujours refusé, parce qu'un évêque, c'est un administrateur. Et là, il a été obligé d'écouter l'archevêque de Montréal ou de Québec, et là, s'en aller évêque en Abitibi. Alors, il a refusé de devenir évêque, parce qu'il aurait quitté son peuple à Saint-Jérôme. Et en 1976, René Lévesque lui-même, en personne, lui aurait téléphoné pour lui offrir le poste de ministre de l'Éducation. Et encore une fois, Jacques Grandmaison, pour des mobiles qu'on connaît plus ou moins, mais a refusé, parce qu'il aurait eu un beau poste de ministre de l'Éducation. Il faut se rappeler qu'en 1976, il avait déjà écrit une vingtaine de livres. C'était quelqu'un qui était un penseur original. Il va critiquer beaucoup la hiérarchie catholique. Et une dernière histoire qu'il me racontait, il y a quelques années, on a entendu que le pape Jean-Paul II se flagellait avec un fouet pour se faire pardonner ses péchés. Là, Jacques Grandmaison, il dit ça, là, il dit ça n'a pas d'allure. Il dit ça, c'est un ridicule incroyable. Je veux dire, que de se flageller, que de penser qu'il faut payer pour ses péchés comme ça. Alors, les idées qu'il valorise beaucoup, c'est le jugement.
Alors, son fameux livre, c'est « Quand le jugement fout le camp ». J'ai eu la chance, à l'occasion des dernières élections à Québec, d'entendre un matin, pendant 3 heures de temps, François Legault. Il interviewait chaque premier ministre, chaque candidat. Et François Legault, on lui a posé la question simple, « Quel est votre livre de chevet, le livre que vous lisez le plus? » Et François Legault a répondu, « Quand le jugement fout le camp, Jacques Grandmaison. » Donc, ça nous donne une idée de ce qu'il a pu faire. Dans un de ses derniers livres, « Une spiritualité laïque ». Bon, habituellement, c'est pas deux mots qu'on met ensemble. Bon, quand c'est laïque, c'est pas religieux. Quand c'est spirituel, c'est religieux. Il y a moyen d'avoir une spiritualité laïque. Alors, Jacques Grandmaison est convaincu que Dieu est du côté des humains, que Dieu est là pour faire le bonheur des humains. Il y a d'autres petits livres qui sont très intéressants aussi, parce qu'ils ne sont pas très volumineux. Au nom de la conscience pour une volée de bois vert. Pourquoi sombrons-nous souvent dans la démesure? Ça, la démesure, dans le fond, quand on y pense, c'est le contraire du jugement. Alors, comment ça se fait qu'on a des valeurs comme ça? Et finalement, un de ses derniers livres qui porte sur les valeurs dont on parle si peu. Alors, les valeurs qui sont importantes pour lui, et il reprend un peu ce que je viens de vous dire. Dans le fond, c'est la question de la durée, le jugement, l'autorité, l'éducation, le sens de la limite, les autres, les rites de deuil. Bon, alors, ça choquait beaucoup de voir le manque d'éducation. Il a été très malade. Une fois, il a été passé une résonance magnétique à l'hôpital. Ça l'avait choqué au plus haut point. Et tout le monde attendait en ligne. Et le petit gars devant lui, qui avait 4 ans, venait de recevoir un chandail neuf de Spider-Man avec des morceaux de petit métal dedans comme décoration. Et là, le petit gars ne voulait pas enlever le chandail. Alors, le médecin, les deux infirmières, les parents, il n'y a personne qui réussissait à convaincre le petit gars de 3 ans. Puis une résonance magnétique, c'est aux 15 minutes, il faut que ça roule. Puis ça l'avait déboussolé complètement. Une autre fois, à l'occasion d'un baptême, le jeune couple, il voulait appeler son enfant Spatule. Là, il ne comprenait plus rien. D'une part, c'était beau de faire baptiser un enfant, c'est un geste religieux, mais de vouloir l'appeler Spatule, là, lui, il trouvait que ça n'avait pas d'allure. Voici ses dernières réflexions à la fin de son dernier livre, « Ces valeurs dont on parle si peu ». Ce livre-là, il s'est chaud, ça vaut la peine d'y lire. Jacques Grandmaison dit, « J'ai été un progressiste conservateur. » Bon, progressiste conservateur, c'est le contraire, un de l'autre. « J'ai été un réformiste radical. Je vis ma foi dans la foulée de l'humanisation avec Jésus de Nazareth, pour qui ce n'est pas d'abord la religion qui nous débarque aux yeux de Dieu, mais notre humanité ou notre inhumanité. » Alors, pour lui, ce qui est important, c'est aider les humains. Et quand on nuit aux humains, on déplaît à Dieu. Quand on aide les humains, on aide Dieu. C'est pas la religion à laquelle on adhère. « Je rêve de mourir debout, comme ces arbres encore enracinés, et des bras levés vers le ciel. Mourir comme j'ai vécu, en espérant, têtu, pour mon peuple, sans exclusive, pour cette folle aventure de ma vie, pour cette terre et ce monde que j'ai aimé envers et contre tout. » En passant, la médaille du Jubilé de la Reine que j'ai ici, Jacques Grandmaison avait reçu la même en 2012. C'est pour ça que je la porte. Il me semble que la réflexion suivante de Marcel Brisebois, prêtre, ancien directeur du Musée d'art contemporain de Montréal, professeur de philosophie, résume bien mon propos. Marcel Brisebois dit, « Jacques Grandmaison est un des plus beaux fleurons de l'intelligence, de l'humanisme et de la sensibilité d'ici. » Chez Jacques Grandmaison, il y a le Jacques Grandmaison, il y a le phénomène Jacques Grandmaison. Peu de gens ont lu ses livres. Pourtant, son influence est grande. Le prophète dépasse son message. Le prophète est prophète par son action, par ce qu'il dit. C'est un phénomène, Jacques Grandmaison, qui est important. Finalement, personnellement, pour conclure, je perçois les événements sociaux comme étant le fruit d'un balancier. Je trouve qu'à l'heure actuelle, le balancier ne peut pas aller plus loin qu'il est rendu. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'absurdités dans notre société. Entre autres, une des choses que Jacques Grandmaison dénonçait, c'est la solitude des aînés. Il y a de plus en plus de gens seuls. Moi, j'ai l'impression que d'ici 50 ans, le balancier a commencé en 1960, la révolution tranquille à partir d'un côté. Moi, j'ai l'impression maintenant que le balancier va commencer bientôt à repartir de l'autre côté. Et les idées de Jacques Grandmaison vont redevenir des idées importantes pour comprendre le monde dans lequel on vit.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis touchée et honorée de témoigner ce soir devant vous de la grandeur et de l'influence de Jacques Grandmaison dans ma vie. J'ai rencontré Jacques d'abord en tant que professeur d'université. J'ai participé comme étudiante en théologie à la grande recherche action sur les générations, faite dans les années 90 dans le diocèse de Saint-Jérôme. Je me rappelle de voir comment Jacques menait cette recherche, en homme curieux, chercheur, aguerri, passionné, voulant comprendre comment se vivaient les liens entre les générations. Comment le défi de la transmission s'était coupé ou bloqué dans cette période de postmodernité. C'est à cette occasion que j'ai eu à participer à la rédaction d'une partie du livre sur le drame spirituel des adolescents. Je travaillais alors au diocèse comme responsable de la pastorale jeunesse. Poussée par l'enthousiasme de Jacques et sa confiance, j'ai réussi à relever ce défi qui était immense pour moi. Jacques me disait « Vas-y Manon, t'es capable ». C'est toi qui as l'expertise des jeunes, ose, tu vas y arriver. C'est grâce à cette confiance qu'il a eue en moi et à son enthousiasme que j'ai pu relever ce défi. Tout cela a créé un lien réciproque qui a continué à grandir au fil des années entre Jacques et moi. Quelques années plus tard, vers 2005-2006, je l'ai retrouvé autour de la création du Centre Le Rocher, ce lieu de rassemblement, ce centre de ressourcement spirituel que nous avons mis en place avec une équipe de personnes engagées. Jacques nous suivait de loin et il nous référait des personnes en recherche spirituelle. Il me disait que j'étais une rassembleuse, que je créais une sorte de tribu autour de moi. Et il nous encourageait à aller de l'avant. Il a toujours été ouvert aux nouvelles idées pour créer du neuf, répondre aux nouveaux besoins du monde. C'est en 2013, lors du lancement de son livre sur la spiritualité laïque, où nous étions présents, que Jacques nous a dit cette phrase prophétique, comme il savait si bien les dire. Devant une salle pleine, dans une envolée, il s'est mis à dire que l'avenir de l'Église dans le diocèse de Saint-Jérôme, il le voyait se réaliser au Centre Le Rocher. Bang! Quelle phrase! J'étais alors projetée vers l'avant. Encore une fois, amenée à faire un pas plus loin, à oser, à croire à notre projet. J'étais renversée de son audace, de nous nommer comme cela devant tout le monde dans cette rencontre du diocèse. À la fin de sa présentation, je me suis approchée de lui et je lui ai dit « Tu viens de nous mettre dans des beaux draps, Jacques. » Maintenant que tu nous as mis sur la sellette comme ça, tu vas être obligé de t'impliquer avec nous et de nous aider. Il m'a regardé et m'a dit, « Certainement, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Manon? Dis-le-moi. » Alors, je lui ai répondu, « On a besoin de toi comme président de notre campagne de financement. » Et il a accepté. Pendant 2 ans, il a été notre président. Ce fut un honneur d'avoir Jacques comme notre porte-parole. Encore là, c'est la confiance et l'audace qui nous poussaient à nous dépasser, à croire à nos intuitions, à notre force, à notre mission. Je veux vous lire un extrait d'une lettre d'appui qu'il a écrite pour notre campagne de l'année 2014. « Le Centre Le Rocher, c'est le présent et l'avenir d'un nouvel humanisme spirituel. » Et pour les chrétiens, une figure de l'Église autre. Avec le Centre Le Rocher, je suis comme le vieillard Siméon, habité par une folle espérance assurée. Je vous jure que de recevoir un tel hommage, ça vous relance dans la mission. C'était cela, Jacques, un dynamisme, une folle espérance contagieuse. Il était un de ces fous amoureux du monde, de la vie, des personnes, des organisations. Prêt à s'engager malgré ses limites de santé et son horaire surchargé. Là où ça grouillait de nouveautés, il était là. Il aimait se faire présent. Il était comme un levain dans la pâte humaine. C'était d'ailleurs une de ses expressions préférées. Mettre ses mains dans la pâte humaine. Ça le rendait heureux. Increvable travailleur. Toujours un livre en route. Un jour, il me disait que quand il écrivait, il ne se sentait plus malade.
Il ne ressentait plus ses douleurs. Il défiait la mort et la maladie. Et il en écrivait encore un autre. Puis, il partait en tournée pour le présenter, rencontrer les gens, partager avec eux. Que ce soit une conférence au Rocher, une série de conférences-rencontres au quartier 50, une série d'articles dans le journal régional, tous les moyens étaient bons pour poursuivre la conversation avec le monde, pour réfléchir avec eux, pour transmettre ses idées, sa fougue, sa passion. Son dernier livre sur la transmission des valeurs, c'était « Un cri du cœur », un dernier appel à l'urgence de transmettre ce qu'il croyait de plus cher, le passage intergénérationnel des valeurs et des croyances. Pour Jacques, il n'y avait pas deux mondes. La vie spirituelle s'incarnait dans la dimension humaine, dans les enjeux de la vie terrestre. C'était beau de le voir s'insérer dans toutes les couches de la société pour y insuffler du sens, pour réveiller les consciences. Et cela le faisait vivre. C'est ce que j'ai reçu de lui, cette force de l'engagement, cette insertion dans la pâte humaine, cette espérance têtue qui permet de relever les défis de la vie. Il m'a fait croire en moi, en l'autre et au tout autre. Si vous êtes déjà allé à la messe présidée par Jacques Grandmaison à la paroisse Saint-Hippolyte, vous vous rappelez sûrement de sa fougue, de son verbe, de ses homélies passionnées, le poing en l'air ou le poing sur la table de l'autel. On ne pouvait pas rester indifférent. Il nous brassait la conscience et la cohérence, comme le dirait Fred Pellerin. Avec Jacques, ce n'était pas des petites messes tranquilles. C'est cela qu'on aimait chez lui. Jacques était un prophète de notre temps. Il nous ouvrait sur une nouvelle solidarité humaine et spirituelle. Puis, un jour de novembre 2016, je suis à travailler au centre, le Rocher, et le téléphone sonne. C'est Jacques. Il me dit que c'est la fin, qu'il va entrer à la maison des soins palliatifs. Il voulait me parler avant de partir, me demander notre adresse pour nous faire un don. Alors, de peine et de misère, il note l'adresse. Il ne peut presque plus écrire. Ses mains ne lui répondent plus. Pourtant, lui qui a tant écrit. Il termine en me disant, « Tu sais, Manon, je t'aime. » Et moi, complètement émue, je me rends compte que c'est la dernière fois que je lui parle. Alors je lui réponds, « Moi aussi, Jacques, moi aussi je t'aime. » Et il raccroche. Et ça a été ma dernière conversation avec lui. Ça s'est terminé comme ça. Mais avec Jacques, je sais que ça ne sera jamais fini. Il m'a transmis le flambeau de l'espérance, de l'engagement, de l'amour du monde. J'espère que ce soir, à travers une soirée comme celle-ci, je peux lui rendre un peu justice. Permettez-moi de terminer avec un passage de son testament spirituel. Il y a toutes les raisons d'être pessimiste sur l'homme, sur la vie, sur nos églises qui ferment, mais rien ne peut nous arracher à cet horizon d'espérance que Dieu a ouvert pour réenchanter notre vie ici-bas et au-delà. Quant à mon petit moi, j'ai rêvé qu'il meure comme les arbres, debout, toujours attaché à sa terre bien-aimée, avec ses bras tendus vers le ciel et plein de vie tout autour. Adieu, va, Jacques Grandmaison, simplement l'un des vôtres. Merci. J'ai connu Jacques Grandmaison en 1967, quand j'ai commencé mon cours à l'Université de Montréal en théologie. Puis la pensée de Jacques, puis son témoignage, m'a servi toute ma vie. Quand il est venu le temps de choisir un stage, fin des études, j'ai choisi, moi, la Pointe-Saint-Charles. Les prêtres qui étaient là étaient spécialisés en milieu ouvrier.
Alors, déjà là, là, il y avait déjà une option là, qui venait sûrement de Jacques Grandmaison dans ce choix-là. Suite à ce stage-là, j'ai fait 5 ans comme animateur de pastoral à la polyvalente Charlemagne. Ça, c'était la polyvalente de la Pointe-Saint-Charles. C'était aussi une façon pour moi d'intégrer ce que j'avais appris dans les cours en théologie là, avec les gens les plus défavorisés, finalement. Okay. Au bout de 5 ans, je suis déménagé à Saint-Jérôme. Là, ça m'a donné le goût d'expérimenter ce que les parents des enfants que j'avais aidés faisaient. Alors, je me suis inscrit à l'usine, puis ça donne que je me suis inscrit à Tricofil. Alors, là, je suis arrivé à Tricofil, puis je voulais avoir une job sur le plancher. 3 mois après, on me demande si j'accepterais pas la gestion des ressources humaines. Hey, ça, moi, là, je n'avais pas étudié là-dedans pantoute. Je rencontre pas Jacques Grandmaison le matin de bonne heure à 7 heures à la cafétéria de la shop. Puis je dis, Jacques, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas dormi de la nuit. Il dit, Jean-Pierre, on ne choisit pas son mystère Pascal. Bon, là, j'avais ma réponse. Il y avait un lien avec les travailleurs. Là, c'était pas n'importe qui pour le monde, Jacques Grandmaison, là-bas. Là, il était aimé. Là. C'était un gars qui sentait... les gens sentaient que Jacques était proche d'eux autres et qu'il voulait que ça réussisse. Là. J'ai travaillé pendant 3 ans. Et là, j'ai réalisé, dans le fond, une autre chose que je retenais beaucoup de Jacques Grandmaison, c'est que dans le travail que je faisais comme gestionnaire, dans le fond, c'était pas une trip de pouvoir, mais c'était plus de rendre service à des spécialistes. Puis les spécialistes étaient les ouvriers du plancher. Là. Les autres, ils connaissaient la job. Moi, c'était juste des aider, finalement, à atteindre leur objectif. Puis ça, cette pensée-là m'a suivi tout le reste de ma vie. Il y a d'autres fois aussi, je l'ai consulté, même quand j'ai voulu quitter le milieu ouvrier pour m'en aller à la ruche. Mais, puis lui, il disait, ah, les gars, les gens ont besoin, le monde ouvrier a besoin des gars comme toi. Il disait, ah, oui, Jacques, mais écoute, là, je m'en vais aider des gens les plus démunis à se trouver du travail. Tu sais, je dis, c'est pour moi, c'est dans la même ligne. Là, tu sais. Puis aussi, bien, quand j'ai quitté Tricofil, j'étais chef de service au centre du Florès. J'accompagnais des éducateurs qui aidaient les personnes handicapées intellectuelles à s'intégrer sur le monde du travail. C'était un peu neuf à l'époque, mais c'était le rôle de la ruche qu'on appelait à l'époque, qui est devenu le centre du Florès. Puis Jacques, ben, je l'ai toujours consulté aussi au niveau personnel. Quand j'avais des grandes décisions à prendre, des bons, tout ça, c'était un peu un confident. Jacques Grandmaison, pour moi, ça a été un professeur, ça a été mon mentor. Puis on peut difficilement dire qu'un gars comme ça, ça ne devient pas ton ami. Alors pour moi, c'est un ami. Il m'a marqué au point, moi, où je retiens toujours quand il parlait du terreau québécois, puis qu'il fallait partir de la base, puis du vrai monde. Pour moi, ça marque le commerce, à Jacques. C'est comment de fois qu'il disait incarné dans le réel, tu sais, puis on le voyait. Moi, je ne voyais jamais ça quand je voyais le même, tu sais. Puis, non, c'était un gars sincère aussi, hein. À chaque fois qu'on se rencontrait, c'était toujours très chaleureux. Il adorait mon épouse, tu sais, mais lui, il adorait toutes les femmes, de toute façon. Tu sais. Mais pour lui, là, je me souviens, au 25e anniversaire de notre mariage, ma fille lui avait demandé un témoignage, puis nous avait écrit un très, très beau, une très, très belle lettre que j'ai encore. Au 40e, ça a été la même chose. Il a repris, puis c'était la même fidélité. Je le rencontrais à la pharmacie, puis comment va ta belle Hélène? Puis tu sais, on parlait, puis on sait comment ce qu'il était. Hein? Il était aimable. Là. Fait que dans ce sens-là, oui, moi, il a toujours été. Ça dit, quand je dis mon mentor, là, c'est pour moi une personne clé dans ma vie. Là. C'est sûr que bon, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi qui vous le faites. Là. Moi, ça m'a beaucoup drivé dans ma vie, puis ça revient beaucoup de Jacques Grandmaison. Ça a fait même que, avec mon épouse, là, bon, entre autres, là, pour raconter toute ma vie, mais on a adopté, comme deuxième enfant, là, on avait une fille biologique, puis comme deuxième enfant, on a adopté un enfant handicapé, très handicapé, abandonné à Saint-Justine, tu sais, dans les années 77. Puis c'est vraiment ce que vous faites au plus petit d'entre les miens. Puis on a eu un gars après, là, 5 ans plus tard, tu sais. Donc, c'est ce geste-là, même avec mon épouse, qui appréciait beaucoup Jacques, sans nécessairement toujours le nommer, je suis sûr que c'est les racines que j'ai eues à l'université avec Jacques, ça m'a servi. Ça a fait ma vie, dans le fond. Aujourd'hui, ça me guide encore. Tu sais. 2 semaines avant sa mort, j'avais besoin de jaser avec Jacques. Tu sais. Je me souviens, c'était la veille qu'il avait été faire la fête du cimetière à Saint-Hippolyte. Il était quasiment. Il était vraiment faible, puis il avait fait ça de façon énergique. Tu sais. Fait que là, je m'approche de Jacques, puis je lui demande.
Jacques, j'aimerais ça qu'on se rencontre un petit peu. Deux, trois minutes. Ben, il dit, pas mal plus que deux, trois minutes, hein? Il dit, bon. Fait que finalement, j'avais été le chercher chez eux. On a passé une heure chez nous, dans mon salon, à jaser de ce que je voulais y parler. Puis ça m'a beaucoup éclairé encore une fois. Puis deux semaines après, il est décédé, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un gars de même, là, tu sais, c'est... Puis il était franc, là, tu sais. Ben, viens pas, là, à ma maison, là. Ils veulent pas que ce soit un presbytère, cette affaire-là. Bon, ben, je vais aller te chercher, là-bas, tu sais. Très, très généreux de cette personne, là. Jusqu'à la fin, hein. Qu'un vœu que j'aurais, je ne sais pas si lui aimerait ça, mais moi je trouverais ça intéressant qu'il y ait dans la toponymie de quelque part à Saint-Jérôme, à un moment donné, quelque chose qui nous rappelle le passage de Jacques Grandmaison. Jacques Grandmaison, on l'a connu au niveau du syndicat, puis moi en particulier, par l'intermédiaire d'Edouard Gagnon. Donc, Edouard, je le rappelle, est un ancien ouvrier de la région de Nétain, qui est devenu permanent syndical. Il était président du syndicat, devenu permanent syndical. On sait que Saint-Jérôme, avant les années 60, c'est trois grandes entreprises qui avaient développé principalement au niveau industriel. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un déclin qui a commencé, avec toute la réorganisation mondiale de l'économie. Il y a eu à ce moment-là une mobilisation à milieu jérômien, auquel Jacques Grandmaison a eu un rôle de premier plan, et le mouvement syndical avec Édouard Gagnon. Donc, c'est vraiment là qu'ils se sont connus et qu'on a été mis en lien. Mais ce qui est intéressant de souligner par rapport à Jacques Grandmaison, c'est que, et on le voit très bien dans le film Saint-Jérôme de Fernand Dansereau, c'est que Grandmaison, Jacques, quand il a été ordonné prêtre, en 1957-58, il a découvert, si on veut, la situation des travailleurs. 40% des chômeurs, que c'était des jeunes. Et là, Jacques, à ce moment-là, il a enclenché tout un processus déjà auprès de ces jeunes-là. Puis commencé, on était une poignée de jeunes avec qui je travaillais. Puis on a enclenché un processus, il dit, de recherche-action sur le terrain, qui a conduit finalement à cette grande mobilisation de Saint-Jérôme auquel le film fait référence là, constamment. Là. C'est intéressant de se rappeler son cheminement à Jacques dans ce cadre-là. Et ça, ça l'a amené à ce moment-là à s'impliquer pour que Saint-Jérôme puisse devenir zone désignée, telle qu'on l'appelait à l'époque, donc d'avoir accès à des programmes fédéraux principalement de financement, ces choses-là, pour moderniser son industrie. Puis ça l'a amené aussi, durant cette période de temps-là, à travailler beaucoup avec les syndicats, principalement de la région de Knitting Mills et de la Dominion Robert. Comme tel. Et là, on s'approche toujours des années 70. En 72, comme tel, donc déjà, on était en contact avec Jacques Grandmaison en 71 pour commencer déjà à réfléchir sur la nécessité de se réorganiser et comment impliquer la compagnie et comment une étude sociale des travailleurs et travailleuses pourrait se réaliser, parce qu'il y avait déjà un cadre qui se développait. Et parallèle à ça, effectivement, en 72, on a reçu un avis de la compagnie qu'il était pour mettre 310 mises à pied. On parlait de 520, qu'on était environ dans l'usine. Donc, on a bien fait le constat rapidement à ce moment-là. On a dit, bon, ben, c'est bien évident que ça va être la fermeture de l'usine. Il faut essayer d'éviter ces mises à pied-là. Et là, c'est là où on a travaillé pour la mise en place d'un comité de reclassement. En même temps, le syndicat avait une volonté que ce comité de reclassement-là ait comme mandat de travailler à avoir la possibilité de réorganiser l'usine. Et là, c'est là que le rôle de Jacques a rentré de plein pied. Donc, le comité, on a fait accepter que Jacques devienne le président du comité et que deux études, une étude technique pour voir la viabilité de l'usine, comment elle pourrait se réorganiser cette usine-là, c'était avec Curtin Selman,
et une étude sociologique, on va dire, qu'on peut appeler comme telle, auprès des travailleurs et des travailleuses, pour voir leur intérêt à vouloir s'impliquer dans une réorganisation possible et à quelles conditions qu'ils pourraient le faire. Et là, ça, c'est Jacques Grandmaison qui avait reçu ce mandat-là comme tel. Et ça, ça va nous amener effectivement en fin 72 à des résultats positifs. Jacques Grandmaison, lui, il avait fait le constat que les travailleurs, malgré un désenchantement très grand envers la compagnie, qu'il y avait un profond attachement à leur travail, à leur milieu de vie de travail, qui souhaitaient s'impliquer dans une réorganisation, en autant qu'il y avait vraiment leur mot à dire. Et là, ça va nous amener à définir une convention collective qui va être adaptée à cette réalité-là. Et ça, c'est une autre tâche que Jacques a faite avec nous autres, au niveau comme président du comité de reclassement qui devient comité d'adaptation de main-d'œuvre. Ça a été de nous aider à réfléchir avec Édouard Gagnon sur des nouvelles clauses, des nouveaux mécanismes dans la convention collective qui nous permettaient de participer vraiment au niveau de la réorganisation de l'usine par le biais d'un comité consultatif. Puis aussi la désignation des remplaçants, des contremaîtres, contremaîtresses par des premiers hommes, premières femmes, qui étaient choisis par les travailleurs, les travailleuses elles-mêmes. Puis un peu plus loin, ça va nous amener aussi à une proposition de réorganisation, remplacement du système de bonus à la pièce par un système de valorisation financière collectif comme tel auprès des couturières. Donc, c'était vraiment des choses à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît peut-être simple, mais à l'époque, c'était vraiment, ça révolutionnait un milieu de travail. Jacques, il s'est impliqué avec une équipe, des personnes, François Chaput, Rita Maurice, plusieurs autres comme tels, et ils ont rencontré des travailleurs, des travailleuses individuellement, des rencontres de cuisine, ils ont des petits groupes, des équipes de travail, des ateliers comme tels pour réfléchir à notre avenir. Et quand la réorganisation s'est amorcée, effectivement, là, il y a eu des rencontres, trois samedis, je crois, à la maison des Jésuites, où là, les travailleuses et les travailleurs ont pris connaissance des rapports de Kurt and Salman puis de Jacques Grandmaison. De ce que c'est qui en sortait. Ils ont fait expliquer, ils ont commenté, on les a réfléchis collectivement. Et c'est à partir de là que là, les travailleurs ont commencé, les travailleuses, à se faire une tête de dire comment est-ce qu'on pourrait jouer notre rôle à ce niveau-là. Et ça, je pense, ça faisait partie d'une des grandes caractéristiques de Jacques Grandmaison, de travailler vraiment avec le bas, comme il disait, la base comme telle à ce niveau-là. Et nous, le syndicat, ça faisait partie aussi de notre démarche d'engagement auprès des travailleurs et des travailleuses. Là, on est rendu en 73. Là, c'est amorcé la réorganisation. Il y a un comité consultatif qui a été créé, donc représentant de la compagnie, représentant du syndicat. Le mandat du comité consultatif, c'était effectivement de suivre. C'est à cette table-là que devait être discutée la réorganisation de l'entreprise comme telle. Et effectivement, même s'il portait le nom de comité consultatif, en réalité, dans les faits, ça allait même jusqu'à un droit de veto au niveau du syndicat pour bloquer des choses. À un moment donné, il n'y avait pas eu consensus à l'entour de la table comme telle. Ce qu'à ma connaissance, on n'a pas employé à ce niveau-là, mais ce qui se dégageait plus dans notre esprit du comité consultatif, parce qu'au départ, on l'appelait le comité de co-gestion. Mais ça, la compagnie le refusait, ce thème-là. Là, il a accepté le thème consultatif, mais avec la clause dedans qu'on avait un droit de veto au niveau de. Et c'est ça qui a bloqué à un moment donné, quand est arrivé le temps de la réorganisation du département de la couture, des couturières. Les couturières, eux autres, avaient un plan pour une stratégie de production, de façon, une organisation collective du travail comme telle, qui remplaçait le système de bonus à la pièce, qui d'ailleurs était
ils n'opéraient pas. La compagnie, eux autres, ils ont embauché un directeur général, un nouveau directeur général sans nous aviser, et ils ont embauché un superviseur responsable de mettre en place un système de bonnets à la pièce au niveau des couturières. Et là, évidemment, ça a fait exploser énormément. La confiance s'est trouvée effilochée énormément comme telle. Et ça a été le début de la fin, au bout de la ligne. On était au ministère du Travail à négocier avec la compagnie, avec des représentants, puis Jacques Grandmaison. Et le soir, Jacques Grandmaison nous rejoignait pour nous informer qu'il venait de recevoir un appel téléphonique de l'avocat de la compagnie à l'effet que les portes étaient fermées. Il y a deux choses qui ressortent de l'occupation, au moins deux choses. Il y en a une, c'est que les travailleuses et les travailleurs, on s'est approprié une vision globale de l'entreprise. Donc, en occupant l'usine, ça veut dire qu'on se promenait dans le département, qu'on a brisé un cloisonnement au niveau départemental. On sait comment que le travail est organisé traditionnellement. On a passé à travers ça, on s'est approprié une vision globale au niveau de l'usine. Puis l'autre, c'est qu'il y a eu une mobilisation du milieu jérômien et du Québec, puis des syndicats, puis tout ça. En appui au niveau des travailleurs, des travailleuses à l'occupation. Et ça, ça a été vraiment... C'est ce qui nous a guidés par après pour mieux s'approprier les études techniques puis études de Jacques Grandmaison. Et quand l'usine a fermé, à 7 heures le matin, le lundi, on était à la porte. On a fait le constat que l'usine était fermée. On a dit, on s'en va à l'hôtel de la Pointe, à la grande salle. On s'est en allé là, puis trois heures après, était votée la décision de dire on travaille à la réouverture de l'usine comme telle. Et là, il y a tout un processus à ce moment-là qui a commencé au sol de la cathédrale, où on se réunissait 5 jours par semaine pour réfléchir comment on va travailler pour la réouverture de l'usine. Avec Jacques Grandmaison, avec François Chaput, le comité où Jacques était président avait pris fin avec la fermeture de l'usine. Là, il y a un comité de reclassement qui a été créé et c'est François Chaput qui va devenir le président. François, qui avait déjà été très impliqué auprès de Jacques dans tout le processus que j'ai décrit tantôt. Donc, il y avait une continuité, si on veut, à ce niveau-là. Ça nous amène à ce moment-là à cheminer. Il y a eu la période de la corvée. On a terminé la production laissée par la compagnie sur les planchers. Fait que ça, on l'a réalisé comme sous-contractant, là, comme tel. Fait que ça, on l'a bien réalisé à ce niveau-là. Fait que ça nous a prouvé, ça nous a donné confiance qu'on pourrait co-gérer, parce qu'on parlait toujours de co-gestion à ce moment-là. On ne parlait pas d'autogestion. C'est quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir de partenaire financier que là, on a dit, bon, ben, est-ce qu'on va plonger? Ou bien on s'en va chez nous. Puis là, on a dit, bien, la corvée nous a prouvé qu'on était capable de s'organiser, bien, on va s'organiser. Et là, c'est vraiment le projet d'autogestion, autogestionnaire, là, qui a commencé à naître comme tel et qui va donner naissance à Tricofil en 1975. Jacques a continué à nous accompagner pour nous aider à nous approprier notre nouvelle statut de propriétaire collectif au niveau de l'usine. L'image qu'il nous a donnée, qui m'a toujours resté dans la tête, c'est quand il nous a dit à un moment donné, il dit là, il dit, enlevez l'habit que vous aviez, il dit, de syndicaliste, puis il dit, il faut vous mettre, il dit, votre nouvel habit, il dit, vous êtes, il dit, propriétaire collectivement au niveau de l'usine, puis il dit, vous avez une nouvelle pensée, il l'a développée, sans trahir vos racines, il dit. Et là, il y a tout un long processus qui s'est enclenché avec... lors de cette fameuse rencontre-là qu'on avait eue avec Jacques. L'autre volet, c'est que Jacques a travaillé beaucoup auprès particulièrement des communautés religieuses pour les sensibiliser et qui a permis d'aller chercher du financement. Ils se sont impliqués de façon importante. Très souvent, dans des moments où n'eût été une intervention de dernière seconde, même pas de minute, d'une communauté religieuse, peut-être les portes auraient carrément fermé à ce moment-là. Il y a eu un moment donné une preuve dans ce sens-là. Où le soir, on fait dans une situation catastrophique. Puis Jacques est parti, puis il dit, bon, ben, on va aller se coucher. Il dit, la nuit, pas de conseil. Le lendemain après-midi, arrive une des plus anciennes communautés religieuses au Québec.
demande à visiter l'usine, ne fait visiter. On revient, la sœur supérieure qui était là, elle me remet une enveloppe, elle dit, je vous remets ça, elle dit, Monsieur Boucher, elle dit, c'est un premier don, elle dit, on veut se réimpliquer davantage. Je les remercier, tout ça. Puis ils sont partis, là, on rouvre l'enveloppe. C'était un chèque de 50 000 $ qu'il y avait dedans. Ça fait qu'on sait bien que le lien s'était fait avec Jacques Grandmaison. Et la veille au soir, il était avec nous autres. On faisait le bilan de tout ça. Jamais Jacques en a parlé. Ça, c'est évident. Jacques, j'ai eu la chance de développer des liens très personnels comme tel. Ben, très personnels, il faut s'entendre, là, mais assez personnels. Il y a deux moments de ma vie qui sont plus intenses là, comme tel. C'est par rapport à ma mère comme tel, qui est décédée à 95 ans. Tout à fait par hasard, un après-midi, j'allais tout voir ma mère, c'est bien sûr. Puis d'un coup, maman, elle me dit, « Ah, elle dit, en effet, André, elle dit, le chanoine Grandmaison, elle dit, moi, lundi après-midi. » Ben, je dis, ben gentil. Elle dit, puis là, après ça, assez souvent, maman me disait qu'elle dit, chanoine Grandmaison, elle dit, il vient me voir. Je sentais, par rapport au cheminement de ma mère, que je pense que ça lui faisait du bien, ça l'apaisait. Ça me frappait, parce que quelqu'un de super occupé comme il l'était, mais en même temps, dans sa mission qu'il avait, qui était au haut, quand il parlait des gens sans parole, des petites gens, isolés. L'autre élément, ben, c'est quand Jocelyne et moi-même, Jocelyne Richer et moi-même, on s'est fiancés en janvier 85. Jocelyne a travaillé à la Regen, elle a fait toute l'expérience tricophile, et on s'est fiancés, puis on a demandé évidemment à Jacques s'il ne voulait pas bénir nos fiançailles. Il m'a spontanément dit oui, et comme tel. Et ce que Jacques, ça c'est important à retenir, je pense que ça résume ce qu'il était comme être. Ce que Jacques nous a dit avant de commencer la bénédiction des fiançailles, il dit, à soir, il dit, ce n'est pas des fiançailles, il dit que je bénis, mais il dit, je sais que c'est un mariage. Puis c'était ça aussi, Jacques, on a vécu 31 années ensemble. Ça fait donc, il était capable, Jacques, d'aller au fond des êtres humains, de comprendre bien des choses à ce niveau-là. Puis moi, j'oublie pas les visites qu'il nous faisait assez régulièrement à la maison. J'avais les qualités à définir de Jacques. Une chaleur humaine, comme c'est pas possible. Il nous voyait, puis bon... Il voyait Jocelyne, il apprenait dans ses bras, puis bon, on voyait, c'était pas d'hypocrisie, mais il avait besoin de la chaleur humaine comme telle, puis il transmettait une grande capacité d'écoute qui manque tellement dans notre société. J'y pensais tantôt quand je m'amenais ici, que je me disais, c'est pas possible d'avoir eu la chance, moi, un petit ouvrier. Puis pas gros d'instruction. J'avais la chance de vivre des beaux grands moments avec Jacques. Il m'aidait à réfléchir sur autant des enjeux du syndicat que des enjeux de la planète, jusqu'à une certaine façon. Mais toujours avec une modestie, une humilité. On ne sentait pas écrasé, on sentait égal à lui. Une très, très grande capacité d'écoute. Une fidélité. Il était fidèle à son petit monde, comme c'est pas possible à ce niveau-là. Ça aurait été si facile pour lui. Il vivait dans les hautes sphères, puis tout ça, mais il était bien quand il revenait chez lui, dans ses racines, à ce milieu-là. On ne trouvera pas quelqu'un d'autre de semblable, à mon bon point de vue. Puis si on parle, si tourner vers l'avenir, moi, il me semble, quand on parle de ces qualités-là, quand on parle de la façon qu'il travaillait avec le monde, d'animer, et non pas se mettre à la place comme tel, on a tellement besoin de nos jours à Saint-Jérôme comme partout ailleurs, c'est pas possible. Mon nom est Pierre-Étienne Boucher. Mon lien avec Jacques Grandmaison, ben, c'est mon ami. C'est l'ami de ma famille depuis toujours, depuis très longtemps.
Notre contact principal, c'est à la chapelle Sainte-Anne de Sainte-Hippolyte. Donc, les sermons de Jean Gamaison, nous, on les connaît. Et savez-vous quoi? Le grand bonheur qu'il avait, il m'appelait sa psy préférée. Donc, pour être préférée de Jean Gamaison, on aime tout le temps ça. Et j'ai le bonheur, j'ai eu vraiment le bonheur. C'est moi qui a fait, à son 50e anniversaire de prêtrise, c'est moi qui a fait son homélie, son hommage et son 60e. Donc, à son 60e, j'ai eu l'idée, après avoir démontré le monde visible de Jean de Grandmaison et le monde invisible de Jean de Grandmaison, j'ai eu l'idée d'animer un petit peu la salle avec quelques-unes de ses pensées. Donc, je lui ai fabriqué dans un petit coffret et j'en ai donné un à Jacques. Ce soir, j'ai le goût de vous en partager quelques-uns. Hein? Et son côté sociologue ici, quand il nous dit « l'appartenance est une valeur pivot », une nappe phréatique, un repère clé pour la construction et l'évaluation du tissu social et des tissus sociaux. Il nous dit, et ça c'est sa colère, des pratiques molles, des valeurs molles, une conscience molle, des politiques molles font des individus et des peuples mous. Vous auriez dû voir Jacques quand il nous disait ça avec une fougue extraordinaire. Le message y passait. Il nous disait, puis c'est d'actualité actuellement. Il nous dit, la culture narcissique dans laquelle nous baignons se vit comme s'il n'y avait rien avant cette culture et rien après elle. Sans durée, on passe d'une expérience à l'autre, d'une réforme à l'autre, sans en mûrir aucune. On est dans un monde jetable, tout est renouvelable. Il nous disait, encore le sociologue, le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Cette petite phrase-là, elle me touche plus. Parce que quand j'ai fait une entrevue avec lui, il venait juste de la composer. Puis vous savez qu'un auteur, quand il compose, il est tout heureux. Là. Puis il me dit, « Ah, oh, Pierre-Étienne, je viens de composer une belle petite phrase, il faut que je la dise. » Alors, le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Et ça, c'était le sociologue, bien sûr. Et le côté éducateur, là, Jacques avait un côté vraiment, il disait, « Suis ta pente. » Pourvu qu'elle soit montante vers une vie nouvelle. Puis il disait, une rivière sans lit devient vite un étang. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est un enfant sans parents, sans relation, il devient vite bien fatigué puis bien triste. Un moi enfermé sur sa propre image finit par effacer le visage de l'autre. C'est de toute subtilité, mais c'est extraordinaire. Et son côté théologien, on l'entendait, l'Église est là pour tous ceux qui ne sont pas là. Moi, ça me fait plus réfléchir que tous les grands sermons. Il disait, je fais le pari de ma foi. Ça, il a dit ça plus à la fin de sa vie. Puis, il était devant moi. Je fais le pari de ma foi en Dieu et de sa promesse que Dieu n'abandonnera jamais l'humanité et sa terre qu'il a bien aimée. Et Dieu sait qu'on aime toujours les fleurs qu'on a semées soi-même. C'est peut-être pour ça que Jacques a tout semé, tout le temps, toute sa vie. C'est un grand, grand semeur, un grand défricheur. Et une de ses prières qu'il répétait souvent dans un de ses sermons, entre autres, puis qu'il a écrit abondamment dans ses livres, « Seigneur, aide-nous à témoigner de toi comme des chrétiens heureux, avec une foi qui bonifie, qui embellit, qui grandit, qui chante la vie et qui enchante le cœur. » Et une phrase que moi, je trouve qui ressemble drôlement à Jean de Grandmaison. Puis il ne savait pas, lui, quand il écrivait ça, que moi, je pensais qu'il l'écrivait pour lui. Mais moi, je pense qu'il l'a écrit pour nous rappeler qui il est, ce monsieur. Il dit, « Les arbres se ressemblent tous dans la forêt. Mais lorsqu'il en tombe un, on se rend compte, après coup, de sa grandeur. » Et ce soir, on se posait la question, « Qu'est-ce que chacun de nous, on avait retenu de Jean de Grandmaison? » Mais moi, je dirais que ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes. Invité à parler de la foi de Jean de Grandmaison. Mais qui est Jean de Grandmaison? Officiellement, Jean de Grandmaison est un prêtre du diocèse de Saint-Jérôme, mort en novembre 2016 à l'âge de 83 ans. Imaginez, prêtre de l'Église catholique, il l'a été durant près de 60 ans. Et professeur à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal, il l'a été aussi
pendant plusieurs années. Alors, il n'est pas surprenant qu'on demande de parler de la foi d'un tel homme. On prend pour acquis qu'il avait la foi. Imaginez, un prêtre, un théologien, ça devrait bien avoir la foi. Mais quel intérêt de parler de la foi d'un vieux prêtre mort à 83 ans? Un vieux prêtre mort. C'est intéressant, ça, pour nous autres, aujourd'hui. Mais je vais vous en parler quand même. Parce que je crois que Jacques est mort plein de vie. Et encore jeune, à 83 ans. Et qu'il portait encore plein de projets pour le monde qu'il aimait, pour notre société qu'il aimait, pour notre terre qu'il aimait. Je vous lis quelques lignes, pas les moindres, les lignes, les dernières lignes de la dernière page du dernier livre qu'il a écrit en 2015. Ce qui a été publié en dernier de tout, ses derniers mots. C'est lui qui parle. « Je vis de forts sursauts d'entêtement, à garder le cap de l'espoir, encore à pied d'œuvre, à 83 ans. Avec cette dynamique spirituelle de ne pas cesser de croire en l'être humain et de poursuivre la plus importante page de l'histoire, qui est de chercher sans cesse à humaniser davantage toutes les dimensions de la vie individuelle et collective. Comme chrétien, je vis ma foi dans la foulée de l'humanisation. Avec Jésus de Nazareth, pour qui ce n'est pas d'abord la religion qui nous démarque aux yeux de Dieu, mais notre humanité ou notre inhumanité. Avec cette foi, je peux aussi cheminer et travailler avec des compagnons de route qui sont incroyants ou qui sont religieux autrement. Et je fais le pari de ma foi en Dieu et de sa promesse de ne jamais abandonner l'humanité et sa terre bien-aimée. » Ces derniers mots. Et je trouve ça typique et révélateur que la dernière fois où Jacques écrit sur sa foi en Dieu, les derniers mots sont pas pour Dieu, mais pour l'humanité et sa terre bien-aimée. Oui, Jacques était un homme de foi, mais pas de n'importe quelle foi, car on peut croire n'importe qui, pour à peu près n'importe quoi. Jacques croyait en Dieu comme on a confiance en la vie, comme on inspire et respire la confiance en la vie. Et ça l'amenait à croire en l'humanité, à espérer pour l'humanité et à aimer l'humanité. Et l'humanité, ça voulait dire, ça veut toujours dire pour Jacques, des êtres humains en chair et en os, des gens de toutes conditions sociales qui vivent sur Terre. Une Terre aux prises avec des problèmes immenses, mais qui demeure notre terre bien-aimée. En fait, si on sait lire ce qu'il écrit vers la fin de sa vie, c'est que sa foi était celle d'un grand pratiquant. Il pratiquait intensément ce que dans le monde religieux, son monde religieux, on appelait les trois vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité. Elles sont dites théologales, car elles sont enracinées en Dieu. Dieu en qui tu crois. Mais comme la foi en Dieu de Jacques, on l'a vu, prenait le chemin de la foi en l'humanité, les vertus théologales prennent la forme de valeurs humaines. Finalement, les plus importantes valeurs humaines. La foi ou la confiance en la vie. Jacques croyait en Dieu en croyant aux êtres humains avec qui il vivait. Et il élargissait constamment son spectre de croyance. Le défi de la foi, c'est la limite de notre confiance. À qui je peux faire confiance? En qui et en quoi je peux avoir confiance? Je crois que Jacques
élargissait constamment son réseau de confiance, tout en étant de plus en plus critique de ce qui déshumanisait l'humanité. En particulier le monde de l'argent détourné de son fond, qui engendrait constamment des conditions sociales et économiques injustes. L'espérance, ou l'espoir. Jacques Grandmaison était fondamentalement un homme d'espérance. Un homme à l'espérance têtue, comme on disait. Un homme du fol espoir, qui croit en l'avenir, qui pense qu'il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer ou changer la situation. Qui ne baisse jamais les bras en disant « il n'y a plus rien à faire ». Jacques, c'était le contraire du fataliste. Lui, l'homme du fol espoir et de l'espérance têtue. Dans les années 90, on a travaillé ensemble dans une recherche-action qui a duré 7 ans. Je ne vous en parle pas parce que ça, c'est trop long. Mais à la fin de cette recherche-action qu'il a dirigée avec moi et d'autres, on a fait une soirée. Et à cette occasion, j'ai fait une présentation. Et je lui ai composé une chanson. Je vous en chante un couplet et le refrain. Mon vieux Jacques, tu n'es pas si vieux que ça, à l'embâcle où tu mènes le combat, la déroute, ce n'est pas pour toi, dans le doute, tu accélères le pas, l'homme à l'espérance têtue, que tu étais, ou que tu es devenu, l'homme à l'espérance têtue, qui ne laisse jamais la place à la déconvenue. Mon vieux Jacques, tu n'es pas si vieux que ça, et en voyant de l'avant nos gens, en voyant de l'avant, en voyant de l'avant, vieux Jacques, en voyant de l'avant. Oui, Jacques était un homme du fol espoir, de l'espérance têtue, toujours prêt à se lever les manches pour faire du neuf, même à 83 ans. Tout le contraire d'un vieux prêtre à l'article de la mort qui n'espère qu'aller rencontrer son Dieu au ciel. Jacques rencontrait son Dieu dans son monde pour qui il espérait, son monde qu'il aimait. Troisième grande vertu théologale, la charité. Jacques Grandmaison, un homme de charité, c'est certain. Mais je ne le dirai plus comme ça. Le mot charité prête à confusion. De toute façon, c'est un mauvais mot qui traduit mal un beau mot. Caritas, on en a fait charité. Mais en fait, caritas, ça veut dire simplement amour. La troisième vertu théologale, c'est simplement l'amour. Ce n'est pas simple, mais c'est ça, l'amour. Jacques aimait le monde. Il y a des gens qui m'avaient dit, mais c'est qui pour toi Jacques Grandmaison? Mais Jacques Grandmaison, c'était quelqu'un qui aimait le monde. L'évangile de Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour changer le monde pour le mieux. Eh bien, je dirais que ce qui caractérisait le plus ou le mieux Jacques Grandmaison, c'est que lui aussi, comme son Dieu, aimait le monde. Il a tant aimé le monde que je suis sûr que c'est ça qui lui a fait le plus de peine. Quand il a su que ses jours étaient comptés, qu'il devait quitter ce monde qu'il aimait tant, et tout le monde dans ce monde qu'il aimait, lui, Jacques Grandmaison. Jacques et le monde, c'est une histoire d'amour avec beaucoup de monde, de tous les milieux. Et avec Jacques, dans tout le temps que nous avons partagé ensemble, j'ai eu le temps d'apprendre que si tu veux contribuer à changer le monde pour le mieux, t'es mieux d'aimer le monde comme il est. Ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas des préférences ou des partis pris dans ce monde que tu aimes, mais ton moteur de changement ne sera pas la haine ou la violence, mais l'amour et la justice. Ça m'amène en terminant à vous parler des valeurs, de la valeur dont Jacques parlait tant. Oui, Jacques était un homme de valeurs. Dans ses derniers écrits, il parle de valeurs.
Mais je veux juste m'intéresser à deux points qui disent quelque chose de fondamental de la foi de Jacques. Qu'est-ce qui a de la valeur dans notre monde? Qu'est-ce qui a de la valeur? Dans la vision de Jacques, c'est d'abord les gens qui ont de la valeur. Toute personne est valable, infiniment valable, aux yeux de Dieu. Merci Dieu à lui aussi, à Jean. Dans cette vision de foi confirmée par l'expérience aimante, il n'y en a pas de plus valable et d'autres moins valables. Le seul problème par rapport à la valeur des personnes, dirait Jacques, ce sont ceux qui se surévaluent en dévaluant les autres. Et ça s'applique d'une façon particulière par rapport aux grands critères d'évaluation de notre monde, l'argent. Est-ce que tu vaux selon la valeur de ton compte en banque? On parle de la foi de Jacques. Je peux vous dire que Jacques croyait en l'humanité, aux personnes en cette humanité, mais il ne croyait pas en l'argent. La religion, la grande religion de notre monde, est économique, d'un bout à bout, d'un bout en bout. Et son Dieu s'appelle Mammon, le Dieu de l'argent. Le monde de l'argent fonctionne à plein parce qu'il y en a beaucoup de croyants qui croient en l'argent et qui sont aussi de grands pratiquants. En soi, ce n'est pas mauvais d'être pratiquant de cette religion si ça nous permet de partager des biens et des services de manière équitable. J'avais faim et tu m'as donné à manger. Mais on sait très bien que ce n'est jamais vraiment le cas dans presque toutes les sociétés du monde. Jacques, en tout cas, le savait. La religion de l'argent est toujours aux prises avec un problème de détournement de fonds. Comme toutes les religions du monde, toujours menacées d'être détournées de leurs fonds. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une grande question, la grande question de nos sociétés, que je résume, économie versus écologie. On n'a pas fini d'entendre parler de cette question. Pour l'argent ou pour l'humanité et sa terre bien-aimée? Croirons-nous d'abord en l'argent et au profit de l'économie, ou travaillerons-nous à assurer l'avenir de l'humanité, à assurer une qualité de vie pour tout le monde sur notre terre bien-aimée? Jacques dirait, « Je garde la foi, l'espérance et l'amour en l'humanité et en sa terre bien-aimée, pour le monde que j'aime et les générations à venir. Travaillons. » Et je pense que s'il y avait eu le temps, il aurait écrit un livre sur ce sujet-là. « Et en voyant de l'avant nos gens, en voyant de l'avant. » J'aimerais vous dire un petit mot sur les deux derniers livres de Jacques Grandmaison, qui sont un peu comme mes livres de chevet, je dirais. Alors, Une spiritualité laïque au quotidien, 9 voies d'accès au spirituel, c'est un livre qui m'inspire beaucoup dans mon engagement bénévole que je fais de ces temps-là, à différents niveaux. J'évoque simplement une expérience que j'ai vécue au cours de la semaine dernière avec une cinquantaine de collègues un peu des retraités de l'enseignement et des secteurs publics de l'éducation, à Blainville, aux Désines. Alors, c'était une conférence interactive, je dirais, que j'ai vécue avec eux autres, sur le thème « Reconnaître et partager nos valeurs ». Et comme par hasard, le livre de Grandmaison intitulé « Ces valeurs dont on parle si peu » m'ont inspiré aussi là-dedans. Alors, ces valeurs-là étaient très présentes dans les échanges qu'on a eus. Et ce que les gens ont apprécié, c'est que moi, je servais un peu de déclencheur. J'ai mis la table avec des valeurs, notamment celle de Jacques Grandmaison. Et les gens, soit en dyade ou en triade ou encore en petit groupe, se sont appropriés ces valeurs-là et en ont discuté. Ils ont vu dans quelle mesure ils étaient rejoints par ça et dans quelle mesure aussi que ça marquait un peu leur vie, je dirais. Alors, ça a été une journée bien, bien fun, un peu qui a duré quand même quelques heures, de 9h30 à 3h. Et à ce moment-là, donc, ça a été une première expérience que j'ai vécue
de façon plus directe avec ces derniers livres-là. Mais j'avais également pris l'habitude de référer beaucoup à ce document-là, « Les neuf voies d'action spirituelle », pour comprendre le monde dans lequel je vis et les gens que j'entoure. Je prends l'exemple un peu de ma conjointe, qui n'est pas une croyante, mais qui a une spiritualité. Alors, à un moment donné, j'ai compris qu'elle, ce qui l'allumait, je dirais, c'était la beauté. Alors, elle aime beaucoup aller dans les musées. Elle fait du piano de façon régulière. Elle suit des cours avec Grégory Charles. Elle m'entraîne dans la beauté à travers sa propre vision des choses. Et elle me fait découvrir des choses belles. C'est le genre d'écouter des émissions à la TV un peu là, sur les belles maisons, les beaux aménagements de terrain, etc. Alors, et je vois, avec le livre de Jacques Gramaison, que cette beauté qui l'allume, bien, c'est sa spiritualité à elle, c'est sa voie d'action spirituelle, c'est ce qui l'a fait grandir dans la spiritualité. Alors, ça, c'est un exemple un peu que je constate avec ma propre conjointe. J'en vois plein d'autres. Et quand je vois des gens, parce qu'on côtoie plein de gens qui sont incroyants ou des gens qui sont se disent athées aussi, là, et on respecte ça, je respecte ça beaucoup. Et ce que je leur dis, c'est que le croire, qui est une des neuf voies d'action spirituelle, c'est pas, les croyants n'ont pas l'apanage du spirituel, au contraire. Le spirituel déborde largement les croyances des personnes. Et je dirais même un peu que le spirituel, à mon avis, c'est un besoin fondamental. Tous les humains ont besoin de spiritualité pour donner un sens à leur vie, pour comprendre leur vie. Pensons à la nature, pensons à la conscience, pensons aux valeurs, pensons un peu à la beauté, pensons un peu au silence, aux étapes de la vie, à l'engagement. Autant de voies d'action spirituelle qui sont marquantes, je dirais. Pour ma part, je pourrais témoigner que moi, c'est l'engagement, la voie de l'engagement qui m'allume le plus à ma retraite depuis 10 ans. Alors, je vis différentes formes d'engagement, et c'est ça qui m'allume, qui me donne un sens à ma vie, je dirais. Je suis engagé auprès de mes collègues retraités de l'enseignement, d'une part. Je suis ici engagé auprès du Centre Le Rocher, comme on évoquait tantôt, avec Manon, qui est la directrice. Je suis engagé aussi avec un comité des hommes. Il y avait quelques-uns de ces hommes-là ce soir qui étaient là. D'ailleurs, la conférence de la semaine dernière, c'était pour honorer la Journée internationale des hommes, de l'homme plutôt, le 19 novembre. Alors, c'était à ce moment-là l'occasion qu'on a pris, le comité des hommes, pour inviter nos collègues féminines aussi et masculins à venir entendre un peu une conférence sur les valeurs. C'était notre manière à nous autres d'honorer cette journée-là. Et puis, je terminerai un peu en disant que je m'implique également au local Fougère, un local un peu qui veille à rejoindre des jeunes près du cégep Saint-Jérôme. C'est un peu un balbutiement actuellement. Mais ça fait 3 fois que j'expérimente un peu, encore là, la voie des valeurs et la voie un peu de la conscience. Et la prochaine fois, je vais aborder le silence comme voie d'action spirituelle avec des jeunes pour voir dans quelle mesure que ça les allume aussi, ces choses-là. Est-ce que ça les rejoint? Et ce sont des thèmes que les jeunes choisissent. Le thème un peu de la conscience, c'est le premier thème que tu as choisi par eux autres. Après ça, c'était le thème des valeurs. Et la prochaine fois, dans 2 semaines, ça va être le thème du silence. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour moi, donc, ce livre-là, encore une fois, devient vraiment un point de repère important pour moi dans mes interventions. Et je terminerai également avec une valeur comme la compassion, que Jacques un peu évoque dans son livre. La compassion qui m'amène un peu à faire des visites d'amitié à la résidence de Voilier, auprès de gens, d'hommes esselés. Et c'est ma manière à moi un peu de partager aussi mon temps. Et je sors toujours de là un peu grandi, je dirais, par l'écho que ces hommes-là me donnent, un peu des échanges qu'on donne, en disant « t'as été un rayon de soleil dans ma vie cette semaine. Merci beaucoup. » Et moi, j'ai le goût de leur dire « merci d'avoir été là pour moi. » Voilà. Alors sur ce, je vous invite encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir les livres de votre grand-maison, notamment ces 2 derniers, qui, pour moi, sont très précieux. C'est des livres qui sont porteurs d'avenir dans un monde comme le nôtre. Alors, ces valeurs dont on parle si peu et les 9 voies d'action spirituelle, les deux petits bijoux, je pense, qui méritent d'être lus, relus et médités et utilisés également pour intervenir, pour rendre notre monde meilleur. Voilà. Marc-Olivier, j'ai 20 ans, toujours été ici à Saint-Jérôme, dans notre belle région des Laurentines. Actuellement, je suis étudiant en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme, puis j'aurai l'intention d'aller en urbanisme pour ce qui est de l'université. Ce qui m'a apporté ici ce soir, pour cette soirée hommage à Jacques Grandmaison, moi, je n'ai pas connu M. Grandmaison,
Oui, parce que j'ai 20 ans, mais je me considère plus athée également. N'empêche que j'ai appris à connaître un peu plus sa philosophie, ses pensées. Cette année, il y avait eu une conférence comme telle par le mouvement Québec français des Laurentines à la Vieille Gare, ici à Saint-Jérôme. Et c'était M. Leroux qui était conférencier, puis la manière dont il définissait un peu, comment dirais-je, la philosophie de Grand Maison, bien, ça m'a rejoint. Parce que Grand Maison, de ce que j'ai pu observer, bien, c'était quelqu'un qui était proche du monde. C'était quelqu'un qui était humain. C'est quelqu'un qui faisait confiance en l'intelligence du monde. Ça l'emmenait aussi une certaine dignité envers les individus que Grand Maison semblait avoir, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai pu voir. Et ça m'a touché. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on oublie justement de faire confiance à l'intelligence des gens. On oublie d'avoir de la dignité pour les gens. Qu'ils travaillent au salaire minimum ou qu'ils fassent un demi-million par année, ça reste des êtres humains. Et c'est cette simplicité-là de Grand Maison que je vois, que je découvre, que j'apprécie grandement. Et son attachement aussi à Saint-Jérôme, à son milieu de vie, où c'est qu'il a toujours été, comme fils d'ouvrier, comme citoyen impliqué localement. Et moi, je trouve que c'est une inspiration dans mon cas, justement parce que moi aussi, je m'implique socialement présentement, puis politiquement au municipal. Et je crois que j'ai à apprendre de Jacques Grand Maison. J'ai à apprendre aussi de ses textes, de ses écrits. Il faut que je les lise également. Mais de prendre le temps de voir d'où c'est qu'on est parti, que ce soit dans les années où c'est Grand Maison a débuté son implication jusqu'à son décès en 2016, de voir où c'est qu'on en est aujourd'hui, puis de voir où c'est qu'on peut aller dans cet esprit-là et de voir bien, où pouvons-nous aller comme communauté, comme Jérômiens. Et c'est ça que je trouve très important aussi comme présence ce soir, puis que je trouve que, justement, quand on voit le témoignage que Jacques livrait avant son décès, bien, on le voit très bien comme tel qu'il voit que le système économique est voué sous sa forme actuelle à un certain... va être confronté à un mur, en fait. Parce que justement, il manque d'humanité, il manque de sensibilité, de respect envers les gens, de dignité. Et moi-même, je le vis, là. J'ai un étudiant qui travaille au salaire minimum dans une pharmacie. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, de leur carrière à Saint-Jérôme, comme partout au Québec. Et pourtant, les conditions de travail, salariales même, sont pas suffisantes. Mais si on compare une grosse multinationale, que ce soit dans le domaine pharmaceutique ou quoi que ce soit, que des gens travaillent au salaire minimum versus un commerce qui est plus local ou une coopérative même, comme ce fut le cas avec Tricophile, mais même pour le même salaire, souvent les gens, bien, ils s'identifient puis ils apprécient beaucoup plus travailler dans un commerce plus local parce que justement, il y a plus de respect qui est apporté envers le personnel, envers les employés, envers la base finalement, envers leur intelligence aussi. Et on le voit très bien là-dessus. Et c'est pas pour rien non plus que l'ambiance est différente parce que dans une grande entreprise, bien, tu as plusieurs patrons jusqu'au PDG. Tandis que dans un commerce plus local ou dans une coopérative, mais là, le boss, ben, il travaille avec toi sur le plancher. Il est là avec toi. Et c'est un peu ça que je remarquais de l'esprit Grand Maison au niveau, par exemple, de son implication qu'il avait eue pour Tricophile, c'est que lui, il défendait justement les gens de la base. Il travaillait pour les travailleurs, en gros. Et ça, je pense qu'on a à retrouver cette fibre-là à Saint-Jérôme. Et dans l'ensemble du Québec même. Pas pour rien qu'on voit plusieurs coopératives voir le jour, encore récemment à Montréal, une coopérative de couturières qui a ouverte dans Chalagon-Maisonneuve, que moi, je connais la personne qui a fait ça par mon militantisme politique au fédéral. Et c'est beau à voir parce que c'est des gens qui se regroupent, qui s'assoient ensemble et qui se disent « Bien, améliorons les conditions de travail des couturières. » Et ça peut tellement se faire sur l'ensemble des aspects économiques, que ce soit au Québec, que ce soit à Saint-Jérôme, que ce soit partout, dans plusieurs domaines. Puis Tricophile, c'est l'exemple que ça peut fonctionner. Puis avec les moyens qu'on a aujourd'hui, en presque 2020, bien, on peut se permettre d'avoir davantage de coopératives, d'encourager ça. Et après ça, bien, ça crée des employés qui sont contents, ça fait des travailleurs, des citoyens qui sont heureux puis qui veulent s'impliquer au niveau de leur communauté, au niveau de l'entreprise également, comme travailleurs, mais comme citoyens aussi, puis d'apporter leur vision du monde, leur vision de la réalité, de voir où c'est qu'on en est rendu.
Et ça, je trouve que c'est ça qu'on a à apprendre un peu du témoignage qu'a apporté Jacques Grandmaison au cours de sa carrière, de sa vie aussi, au niveau philosophique, au niveau également de son legs. Puis moi, comme jeune de 20 ans, bien, c'est ça qui m'inspire à voir comment qu'on peut aider son prochain, qu'on peut aider le monde, qu'on peut sortir des gens de la pauvreté, qu'on peut donner de l'ambition à des gens de pouvoir contribuer à eux aussi à aider leur prochain. Puis que ça soit contagieux, que ça soit comme une mode, mais que ça soit des convictions aussi qu'on développe avec les gens, puis qu'on voit aussi que ça peut nous mener comme société. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Et c'est ça que je trouve que Grandmaison apporte beaucoup dans mon cas et qui peut continuer à apporter, même s'il n'est plus des nôtres, à notre communauté, à notre société, à notre nation. Sur la transmission des valeurs et sur la nature des rapports intergénérationnels dans le Québec contemporain. Jacques Grandmaison s'inquiétait de cette situation vide sur le plan des valeurs, mais surtout de l'absence de débat de société à ce niveau. La dernière phrase, l'avant-dernière. Ses préoccupations en termes de valeurs concernaient autant les jeunes que les vieux. Étudiant les jeunes et les vieux, il constate la détérioration des relations entre les générations. Il semble que ce problème se poursuive. Ce triste constat semble paradoxalement assurer l'avenir de l'œuvre de Jacques Grandmaison.